Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va réorganiser un peu toutes les boîtes. Comme vous le savez ou comme vous l'avez peut-être vu, je suis un peu un psychopathe du rangement parce que je déteste chercher les choses à droite à gauche et donc je mets tout ça dans des boîtes en plastique. C'est des boîtes en plastique qui normalement sont faites pour ranger des chaussures pour meufs. Et moi, je range plein de trucs à l'intérieur. Et je mets un coup de peinture en général devant et je mets exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je profite d'un arrivage en fait de bombes, de restes de bombes que l'ami Issam m'a refilé pour en fait mettre en place un espèce de code couleur sur mon système de rangement. Ça devenait relativement illisible d'avoir plein de boîtes noires et quelques boîtes de couleurs et de devoir chercher à chaque fois les éléments qui me manquent. Là, je profite justement que j'ai cet arrivage de plein de couleurs super jolies et super flashy pour réorganiser un peu tous mes éléments. Donc là, c'est relativement simple. Je prends les boîtes qui existent déjà, éventuellement, je les réorganise et je file un tout petit coup de ponçage histoire que la peinture ait un peu de la matière, entre guillemets, pour agripper dessus. Et je repeins ça, et bien sûr, j'attends que ce soit sec, et ensuite, j'écris avec un feutre exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Le but, bien sûr, il est d'arriver à optimiser, entre guillemets, le temps entre j'ai besoin d'un outil et j'arrive à le prendre et à l'utiliser. Et là, ce code couleur est plutôt bienvenu. J'ai fait ça par famille de couleurs. Peut-être que j'y reviendrai si ça intéresse des gens dans un épisode suivant. Donc, il y a les bleus, il y a les oranges, il y a les roses, il y a les violets, il y a les rouges, etc. Chaque famille a sa couleur et ça permet visuellement de s'y retrouver beaucoup plus dans cette mer entre guillemets de boîtes et donc de contenu à l'intérieur. Ça m'a pris une grosse heure pour finaliser à peu près tout ça, peut-être un peu plus. Ça m'a permis aussi de réorganiser certaines de mes boîtes et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Un résultat pas mal, satisfaisant en tout cas pour moi, et une méthode vraiment pas chère, avec des boîtes pas chères, pour organiser tout votre matériel, et surtout, moi, le mettre sur les murs pour pouvoir y accéder le plus facilement possible. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées, et à très bientôt.